I'm gonna go.
Cette prière est organisée spécialement pour intercéder en faveur de notre mère et en même temps informer certaines personnes qu'il y a un grand centre de prière ici à Tigo. Je vous informe que c'est un centre international parce que nous sommes suivis par 168 pays dans le monde. Ici, Dieu guérit les malades tels que cette jeune fille. Elle est venue d'Abidjan malade. Elle était atteinte d'une grande folie. Elle est restée dans les chaînes 2 semaines. La 2e semaine avant de faire, la voir guérie. Nous avons les témoignages de son état de folie. Il y a des vidéos. Nous avons des vidéos. Et aujourd'hui, la voici délivrée. Elle a fait Benjamin combien de fois? 3 fois. Elle a allé à Benjamin 3 fois. Ils ont mis dessus un traitement. C'est seule la prière qu'il a aujourd'hui délivré. Nous avons connu aussi ce jeune homme. Ça fait maintenant, je crois que nous sommes dans la 3e semaine, qui a été foudroyé par la sorcellerie. Il avait une tumeur comme ça. Voici même les séquelles. Il avait une tumeur de cette hauteur. Et en l'espace de 2 semaines, ça a disparu. Nous acclamons le Seigneur. C'est vrai que peut-être Tigo n'est pas informé, le monde entier est informé qu'ici à Tigo, nous avons un centre de prière. Malheureusement, ceux qui sont sur place, comme le prophète n'a pas honoré chez lui. Mais nous, en tant que responsables d'un centre, qui est un centre de prière, un centre de pèlerinage, nous ne pouvons pas rester sans invoquer le Seigneur en faveur de notre mère. Parce que chez nous, ici, Dieu guérit les malades. Nous ne pouvons pas permettre que le diable vienne et attaquer le maître tel que Amédée, qui est en train de développer la ville de Tigo. Le combat que nous menons d'ailleurs, c'est pour que les régions se développent. Il faudrait que les gens comprennent réellement notre combat. C'est ça pour le développement. Nous sommes pour le développement et nous attaquons tous ceux qui sont anti-développement. Grâce à notre ministère, les gens recouvrent confiance. D'autres personnes viennent maintenant librement dans leur village parce que nous n'interdisons pas les personnes de fréquenter leur village, mais leurs parents. Même quand on est sorcier, on peut même délivrer le sorcier. Je vous disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui à 7332 sorciers délivrés de notre main. Depuis 2006, nous avons déclenché ce combat. Nous remercions le Seigneur et le représentant du maire. Nous sommes convaincus que le Seigneur vient de guérir notre mère. Nous sommes convaincus. Nous sommes très convaincus. Et nous ne cesserons de prier pour lui. Je le porte dans mon âme. Pas dans mon cœur, dans mon âme. Je le porte dans mon âme. Je ne cesserai de prier pour lui. Parce que c'est un homme de développement. J'ai dit bien, si tu ne voulais pas, je n'allais pas m'intéresser. Nous voulons voir nos régions développées. Et les hommes comme le maire Amédée n'a pas assez. Malheureusement, et heureusement plutôt, le Seigneur vient de le relever et le Seigneur vient de confondre tous ses ennemis. Amen. Alléluia. Sur ce, nous allons tenir debout. Et nous allons remercier le Seigneur pour dire que le diable est vaincu à jamais. À quoi bougnon? À quoi bougnon? Jésus a dit moi. À quoi bougnon? De folie, elle est étudiante, n'est-ce pas, elle avait fini. Elle a fini et puis paf, elle a piqué une crise de folie, elle va se retrouver à Benjaville. Les gens ont compris que la chose était spirituelle. La voici ici à Tigo. Pour vous dire aujourd'hui, votre vie Tigo est un lieu de pèlerinage. Le monde se rend ici à Tigo.
Voilà. Amen. Regardez-la très bien. D'ici une semaine, ça sera du passé. Ça va si très bien. Et sur ce, nous allons prier pour elle et demander au Seigneur de la délivrer. Parce que face à la folie, la science ne peut rien comme ça. La science donne des tranquillisants. Ici, à Digo, ici, ça veut trois ans, il y a plus de 473 fous qui ont été délivrés depuis trois ans que nous sommes ici. On les envoie dans un état de folie très grave, avancé. Nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos des personnes qui mangeaient leurs excréments en trois semaines qui ont été guéries, délivrées. C'est un don que Dieu a donné, que Dieu nous a donné pour aider l'homme. Parce qu'une fois que tu as la folie, tu n'as plus de dignité. C'est ça l'œuvre de Satan. C'est ce qu'il disait chez les antennes mercredi. N'oubliez pas qu'il y a les œuvres du diable. Et Dieu, le diable lui a imposé une maladie. Nous allons refuser cette œuvre satanique. Amen. Et ensemble, nous allons prier pour les malades. Nous croyons que Dieu a guéri notre main. Élevez les mains, nous allons prier pour la soeur et prier pour les malades. Prions ensemble le Seigneur, afin que Dieu puisse guérir tous les malades présents ici. Nous prions ensemble le Seigneur. Nous te prions dans ta souveraineté de te manifester. Oui, s'il te plaît, au nom de Jésus, ou bien au Messie. Nous te prions, Seigneur, dans ton Dieu. Nous voulons en ton nom détruire toute présence négative dans sa conscience et dans son subconscient. Nous condamnons les esprits de folie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions pour tous les malades présents. Nous proclamons vos délivrances maintenant même. Nous communiquons la guérison dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Ici, nous avons vu des citoyens guéris. Ici, nous avons vu des personnes dites qui avaient les insuffisantes rénales, qui dialysaient d'ailleurs, que Jésus a guéri. Nous avons trop de témoignages. Amen. Et lorsque nous avons appris que le maire était attaqué, la première des choses était de prier pour lui. Les gens quittent les États-Unis pour se rendre ici. L'Allemagne. Le monsieur a quitté l'Allemagne. Il y a des gens qui sont quittés la France. Beaucoup de... C'est comme ça ici, Digo, c'est un coin de pèlerinage. C'est le seul centre ici même en ville où la plupart sont des étrangers. Ceux qui viennent de l'extérieur. Comme je disais, nous sommes suivis dans le monde entier par 168 pays. Et au travers de nos chaînes télé, sur Internet, YouTube, il y a des personnes qui reçoivent des guérisons, des personnes qui sont délivrées. Nous croyons la guérison divine. Nous croyons la guérison divine. C'est pour ça que nous sommes convaincus que notre mère est guérie et nous ne cesserons de prier pour ceux qui développent la ville de Dibo. Amen. Nous allons aussi prier pour celui qui représente le maire ce matin. C'est le chef de cabinet. Amen. Nous allons tous lever les mains en direction du monsieur et nous allons proclamer la bénédiction de Dieu celui. Prions ensemble le Seigneur. Proclame la bénédiction. Seigneur, merci. Merci pour ta main étendue sur lui et merci de le bénir, lui et toute sa famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ, merci au nom de Jésus. Amen. Ici c'est la clé. Tout part de grémiants, ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une question de jalousie. Mais Dieu leur a donné le pouvoir. Ce serait que sans eux, il n'y a pas de libation. Et si une autorité rend qu'il n'y a pas de libation, c'est que la terre n'a pas accueilli. Donc, sur ce, nous sommes convaincus qu'à partir de cette action au niveau des Crimiens, le maire est délivré et les esprits sont cherchés à jamais au nom de Jésus. Je vais demander à l'homme de Dieu de clore par la prière. Il y a les offrandes à faire, c'est ça, non? Et les offrandes, c'est déjà fait? Ok. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on se serre les mains, que chacun prenne les mains de chacun. On va faire le tour. On se serre les mains chacun. Prenez tous ceux qui manquent derrière, venez prendre la main de quelqu'un. Tenez-vous les mains, s'il vous plaît. Alléluia. Tu vas baisser la tête et tu vas fermer les yeux. Pour ne pas te distraire, tu vas fermer les yeux. Et je vais prier. Le Dieu puissant, le Dieu incomparable,
le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, quand tu m'as appelé au ministère, tu m'as dit, mon serviteur, va et ouvre la bouche. Quand tu diras, je confirmerai tes paroles. Et aujourd'hui, je suis sur la terre de Divo, mais depuis hier, je suis venu avec ton onction, ton approbation, ta caution. Seigneur, avec ton sceau, et tu es avec moi. Maintenant, j'ouvre la bouche, ô roi de gloire. Tu es le Dieu qui est incomparable. Tu es le Dieu merveilleux. L'homme de Dieu a dit de prier pour les autorités. Et j'ouvre la bouche en association avec les anges du ciel et les 24 vieillards et toute la communauté céleste et mes frères ici présents pour prier pour ces autorités. Et nous prions que, roi de gloire, tu nous exauces. Car ta parole dit, selon Éphésiens chapitre 3, verset 22, priez les uns pour les autres, soutenez-vous les uns les autres. Roi de gloire, nous prions pour tous ceux qui sont enchaînés. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous prions pour tous ceux qui sont dans des difficultés, dans des chaînes. Ô roi de gloire, n'oublie personne. Éternel, nous allons partir. Ce lieu que tu as décrété, lieu de gloire, cet endroit est béni, Père. Et roi de gloire, je dois te prier encore pour te dire, Seigneur, nous allons nous séparer physiquement. Mais tu permets que nous nous rencontrons, que nous nous connaissions et que nous manifestons l'amour. Tu es le Dieu qui est bon. Produis en nous l'amour de son voisin, de son prochain, afin que nous aimons réellement, véritablement. Père, de même que le prophète m'aime et que je l'aime, c'est comme ça que j'aime les autres et que les autres m'aiment et que tout ce qui est œuvre du diable soit vaincu et voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, je détruis toute option maléfique sur la vie de tous ceux qui ont foulé ce sol. Je maudis les œuvres de la sorcellerie. Je détruis toute option maléfique. Je saccage les ruses des démons et des sorciers au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je renvoie libre des opprimés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque soit vouée à l'échec. De la gauche vers ma droite, et de devant derrière, et d'en bas jusqu'en haut. Père, je proclame la liberté, et que ton onction descende, et que ta protection entoure chacun, et que quelqu'un aille en paix dans la joie, et qu'on se revoie avec la joie, la joie, la joie, la joie, et les cris de joie. Père, on se sépare physiquement, mais nous sommes unis en esprit en toi seul. Je prie que, roi de gloire, tu sois avec chacun, et que ton nom soit béni. Bénis chaque personne ici présente, et que toute la gloire te revienne. Père, que moi je sois effacé, et que tu sois vu, et que je sois rabaissé, et que tu sois élevé, et que toi seul tu aies la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un réponde amen à saluer son frère. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Salut tout le monde à côté, n'importe qui. Et puis tu fais le tour, n'importe qui, salut tout le monde. Je rappelle que le programme ce soir au centre de prière, c'est à partir de 16h. À 16h.